Aujourd'hui, nous étions jury pour le rendu des projets expérientiels des 3e année ISG Luxury Management. Ils ont pu créer Coups Humains, un beau projet autour notamment des Jeux Olympiques 2024, mais également la possibilité de démontrer la montée en gamme d'un établissement 4 étoiles en 5 étoiles. En tant que directeur d'hôtel, pour moi, il est important de rencontrer les étudiants, de les écouter. Ce sont nos stagiaires d'aujourd'hui, les alternants que l'on peut avoir en entreprise, mais ce sont surtout les forces vives que nous aurons dans nos entreprises demain. Notre projet consistait à rénover un hôtel et ensuite accueillir un groupe de 20 personnes pendant la période des Jeux Olympiques et de leur créer un voyage sur mesure avec des expériences inoubliables. Je me suis énormément amusée à faire ce sujet, surtout qu'on a choisi une ville qui nous anime et qui est plutôt ensoleillée. L'accompagnement qui a été proposé, il était assez global puisque le principe était de déjà dégrossir les angles sur le sujet et ensuite préciser et de vraiment répondre à l'état actuel du marché, notamment dans le monde du luxe. Il est aussi important de leur transmettre des compétences de créativité, d'innovation, mais également des compétences humaines. Beaucoup de recherches, beaucoup aussi de sujets qui ont été repris par rapport aux cours donnés dans l'année. Ce sont de beaux projets, beaucoup de belles créativités aussi et de belles cohésions d'équipe. L'expertise que je transmets, elle est liée à l'œnologie, puisque c'est mon domaine. L'objectif est de leur apporter vraiment une connaissance et une approche générale sur ce qu'est le vin en général et surtout le rapport que peut avoir le vin avec le monde du luxe et puis évidemment du prestige que peut représenter un tel produit. Je trouve qu'être jury sur un événement comme celui-ci permet aux étudiants d'avoir un retour de professionnels, mais nous aussi en tant que professionnels d'avoir un retour des générations à venir.